Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag, jamais 203, la troisième vidéo et le troisième Dog News qui là encore n'était pas prévu, puisque là encore, pendant que nous faisions notre article et notre précédente vidéo, une nouvelle information assez importante est arrivée, puisqu'un nouveau trailer de The Last of Us Partie 2 pourrait arriver dans les prochains jours. Et on va pas se mentir, ce serait une bonne nouvelle après la mauvaise nouvelle que nous venons d'apprendre, et je vous le rappelle si vous n'avez pas vu nos précédentes vidéos, le report de The Last of Us Partie 2 a une date inconnue suite à la crise sanitaire que nous traversons. L'info nous vient du site officiel PlayStation, là où les 14 nouvelles images inédites ont été mises en ligne. Et ben, quelques minutes plus tard, juste après la publication de notre article et de notre vidéo, les 14 images ont tout simplement été supprimées, laissant penser que ces images n'auraient pas dû être publiées maintenant. Là où c'est plus intéressant, c'est que si l'on regarde justement toutes les images officielles de The Last of Us Partie 2 depuis son annonce en décembre 2016, à chaque fois les images ont été publiées quelques heures après un trailer, et ces images concernent à chaque fois un trailer. L'annonce au PlayStation Experience de décembre 2016, les images du trailer de la Paris Games Week 2017, les images de la séquence de gameplay de l'E3 2018 et les images du trailer de l'Outbreak Day 2019. Ainsi, ces 14 images pourraient-elles correspondre à un nouveau trailer qui est censé arriver dans les prochains jours et qui n'a pas encore été donc diffusé? Et ces images vont-elles être de nouveau publiées après la publication de ce trailer? On ne sait pas, mais on vous le rappelle que le report de The Last of Us Partie 2 n'est pas dû à un retard de développement, mais malheureusement à des soucis de logistique suite à la crise sanitaire. Cela veut dire que dans les plans, Naughty Dog n'est pas en retard, et donc dans les prochains jours, on aurait dû avoir le trailer de lancement du jeu. Ainsi, cela colle parfaitement, et on peut s'attendre à avoir un trailer bientôt pour un peu nous faire patienter jusqu'à la nouvelle date de sortie, qui, je vous le rappelle, malheureusement, là, The Last of Us Partie 2 n'a plus de date de sortie. Voilà pour cette petite information, donc c'est forcément à prendre avec des pincettes, mais ça tient vraiment la route, donc croyez-nous que nous on y croit, et comptez sur nous pour vous tenir informés en temps et en heure et en français sur les moindres informations, les moindres rebondissements autour de ce que l'on vient d'apprendre. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notre site et notre chaîne YouTube pour être sûr de ne rien rater. Merci à tous, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est très important, et on se dit à très vite. Salut à tous.